bouche envahie par la fraîcheur des herbes. Le corps mûri par les jardins oubliés. Où tes seins sont devenus des envoûtements. Le spectacle Rapaillé comme tel, l'équipe a commencé à le faire en 2005. Et depuis ce temps-là, à peu près tout le monde, donc c'est à peu près toute la même équipe qui est là. Donc 6 danseurs sur scène, 3 musiciens et une équipe technique en plus de ça qui vient avec nous. C'est d'abord de la danse percussive qui est mêlée à de la danse contemporaine. Et en plus de ça, c'est sur des textes de Gaston Miron qui sont lus par Pierre Lebeau. Le vocabulaire de danse du spectacle Rapaillé, c'est une fusion entre la gigue et le mouvement contemporain. La gigue, pourquoi? Parce que c'était très important pour nous de partir de nos racines, de là aussi les poèmes de Gaston Miron, et puis de fusionner ça à quelque chose de plus contemporain, actuel. Parce que, bon, on sait que le folklore, c'est le savoir du peuple, mais dans le temps présent. C'est certain que la voix de Pierre Lebeau, qui lit les textes, bien, ça nous inspire énormément, nous, les interprètes. Ça nous met encore plus dans les univers et dans les types d'émotions qu'on a le goût de dégager. Parce que souvent, la gigue, c'est associé à le côté vivant puis bon enfant du Québécois. Mais nous, on a utilisé ce vocabulaire-là, mais on a mis des émotions complètement différentes. Donc, un peu comme les saisons du Québec, qui ont toutes leurs particularités, bien, le spectacle qui fait aussi le tour des saisons. Les danseurs, ils font aussi partie intégrante de la préparation du spectacle, mais aussi de la conception du spectacle. Donc, c'est une équipe qui nous suit depuis un certain temps et qui a pris un vocabulaire et qui a développé une signature à la compagnie. Ils sont merveilleux. Oui. Il faut les voir, absolument. Faire aimer la vie.